Je tiens de ceux qui annoncent la bonne nouvelle de l'évangile. The good news of the gospel. Je oins ta tête. Anoint your head. Au nom du Père, in the name of the Father, du Fils, the Son, et du Saint-Esprit. And the Holy Ghost. Je t'ordonne en cet après-midi, devant Dieu et son Église, à la charge de révérend pasteur, reçois cette onction, reçois la puissance, reçois cette grâce, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Va! Go! Ressuscite les morts. Resurrect the dead. Ouvre les yeux des aveugles. Open the eyes of the blind. Ouvre les oreilles des muets. Open the ears ouvre of the les bouches des muets. Open the mouth of the guéris les malades. Heal the sick. Prêche l'évangile. Preach the gospel. En temps convenable. Convenient comme en temps non convenable. Convenient reçois time. La puissance. Receive power. Reçois l'onction. Receive the anointing. Au nom du Père, in the name of du the Father, Fils the Son, et du Saint-Esprit. The Holy Ghost. Come on, shine. La vertu des pouvoirs qui me sont conférés. By the virtues of the power invested on me. Je t'ordonne en cet après-midi. I ordain you this afternoon. À la fonction de révérend pasteur. In the office of the reverend pastor. Au nom du Père. In the name of the Father. Du Fils. The Son. Et du Saint-Esprit. And the Holy Spirit. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen.